This fantastic footage shows soldiers of the French Liberation Army fighting during the Alsace campaign in 1944 and 45. The AFL took part in the advance through France and subsequent invasion of Germany, and by the end of the war, totaled over 1.3 million soldiers. If you like this kind of rare footage, subscribe to the channel. It's worth it. I promise. En 1940, à des milliers de kilomètres de l'Alsace, à Koufra, dans le désert de Cyrénaïque, un officier français fait une promesse solennelle à ceux qui avec lui n'ont pas désespéré. « Je vous conduirai à Strasbourg. » Ce n'est qu'une voie perdue dans les sables. Et pourtant... Le 16 novembre 1944, la division blindée de cet officier, qui est devenu le général Leclerc, doit assurer la couverture du flanc est de deux divisions américaines progressant en flèche en direction générale de Sarrebourg. Le 17, dans un élan irrésistible, les Français brisent la résistance ennemie dans la région de Badonvillé. L'un après l'autre, les villages sont conquis. Un char allemand brûle, obscurcissant le ciel, l'infanterie entreprend un nettoyage méthodique. Promenade dangereuse, tous les sens en éveil, le doigt sur la gâchette. Les habitants se terrent dans les caves. Chaque maison est peut-être un fortin, chaque fenêtre une meurtrière. Peu à peu, les repères sont circonscrits. Les derniers foyers de résistance sont neutralisés et c'est la reddition sans condition. Rien dans les mains, rien dans les poches. L'homme à la vie sauve, le combattant a vécu. Dans le village libéré, les habitants surgissent joyeusement des caves, tandis que les yeux des fenêtres s'illuminent d'un nouveau regard. Les chars subissent un assaut en règle, mais les dégâts se limitent au regret que laissera un trop bref séjour. Précaution nécessaire. Il va falloir conduire vers l'arrière, c'est-à-dire vers le camp d'internement. Tous ces captifs dont les colonnes s'allongent de jour en jour, d'heure en heure même. Des Allemands prisonniers s'en vont, des Français libérés reviennent. C'est dans l'ordre. Le nettoyage d'un village revêt aussi des formes pacifiques. Tandis que s'accélère le retour des exilés, on panse les maisons blessées. On arrache les pancartes teutonnes. On exécute un Hitler abandonné. Les civils apportent un concours bénévole à l'établissement d'un pont provisoire. Le temps presse, l'avance va se poursuivre. Le 19 et le 21 novembre, une partie de la division Leclerc s'empare par surprise du passage du canal de la Marne au Rhin et parvient à Saraltrof, au nord de Sarrebourg. L'autre, après avoir brisé la résistance ennemie à Niederhof, La Frimbolle et Saint-Quirins, atteint à une allure record l'important carrefour de Rethal. C'est alors le 21 novembre, la ruée à travers les Vosges d'un torrent d'hommes et de matériel déferlant vers le col de Dapau et au-delà, vers la plaine alsacienne. Manœuvre aussi audacieuse que celle qu'accomplit à la même heure, plus au sud, l'armée de l'Âtre de Tassigny. Ces itinéraires sont réglementairement interdits à des unités blindées. Des éléments allemands invisibles tirent sur nos soldats qui passent à l'offensive.
Un char pénètre rapidement dans le bois pour soutenir leur action. Cessez le feu. Les prisonniers sont groupés. Dans leur colonne, on distingue des femmes, les fameuses Amazones d'Hitler. Tandis que les premiers secours sont apportés aux blessés, les éléments se regroupent. Ils vont poursuivre leur course invraisemblable par des chemins non moins invraisemblables. Ajoutant une nouvelle page à cette épopée qui, depuis le Tchad, entre dans l'histoire, les hommes de Leclerc, sortant de la nuit des Vosges, débouchent sur la plaine de Strasbourg dans une lumière glorieuse. Le général précise alors à ses colonels les missions essentielles. Prendre Saverne et attaquer à revers le col afin de faciliter son passage difficile à la 1e division américaine. Après la parfaite réussite de ces opérations, tandis qu'une partie des forces est maintenue à Marmoutier et au col de Saverne, l'autre reçoit l'ordre de foncer sur Strasbourg. Sur plusieurs axes, les colonnes motorisées se ruent vers la capitale de l'Alsace. Le but est proche, mais le secteur est miné. La ligne d'effort solidement tenue par des unités d'élite contraint la colonne à stopper. Pendant l'action, le bulldozer imperturbable accomplit son gigantesque travail de déblayage. Cependant, par Schiltigheim, au nord-ouest de Strasbourg, la voie est libre. Une première colonne s'engage. Elle ne rencontrera que des résistances sporadiques. Sur son passage, de rares civils se trouvent pris parfois entre deux feux. Littéralement, elle fonce sur Strasbourg, jalonnant dans un bruit d'enfer sa route de cadavres Feldgrau. Kilomètres. Un obstacle dérisoire est bousculé sans ralentir. Et ce sont enfin les faubourgs de la capitale alsacienne qui tremblent au passage des blindés français. Il est 10h30. C'est dans une ville morte qu'ils pénètrent tout d'abord. On les croit à 40 km. Leur présence est tellement inattendue qu'en plein cœur de la ville, à midi, des officiers allemands sont tués dans les rues au bras de leurs épouses. Dès l'annonce du succès remporté par ces premiers éléments, les unités stoppées devant la ligne de résistance reçoivent l'ordre de décrocher immédiatement et de rejoindre au plus vite par l'axe libre. À la même heure, à l'ex-commandant tour allemande, le général Leclerc reçoit la reddition du général Watteroth, commandant la place, fait prisonnier avec tous les documents qu'il détient. Tandis
que les trois couleurs remplacent la croix gammée. Tandis que la foule des prisonniers grossit sans cesse, Strasbourg redevient française. La place d'Hitler n'est plus ici. Timidement, n'osant pas croire encore à leur libération, les habitants se hasardent dans les rues. On se fleurit. On remplace les derniers vestiges de l'occupation par de glorieux noms de France. On s'arrache les premiers journaux français. La croix gammée disparaît dans un feu de joie. Et c'est enfin l'apothéose, la revue sur la place Kléber de ces unités qui, une fois de plus, viennent de se couvrir de gloire. Dans un enthousiasme indescriptible, le chant qui fut créé dans cette ville même, le chant national, éclate. À la même heure, les combats se poursuivent en direction de Kiel. Le bruit du canon, encore tout proche, ponctue les strophes de l'hymne victorieux. Mais pour la première fois depuis des mois, les Strasbourgeois ne gagnent pas l'écart. Oubliant le danger possible, ils n'ont qu'une seule pensée, crier leur joie et leur admiration à celui qui a permis que, de nouveau, la cocarde tricolore orna la coiffe des Alsaciennes. La flèche de votre cathédrale est demeurée notre obsession. Le serment de Koufra a été tenu.